Voilà, donc nous allons voir ce que j'ai reçu par Amazon. Voilà. Hop. Spider. Ah oui. Avec Amazon, c'est très bien emballé. Il y a plein de disques. Allez. Hop, hop, hop. Alors, Front 242, l'édition limitée. Voilà, même coloré. Donc, je vais l'ouvrir. Ça arrive à l'ouvrir. Voilà. Et voilà, et normalement c'est des vinyles colorés. Voilà, c'était le dernier exemplaire en stock chez Amazon Angleterre. Sinon, c'est des vinyles qu'il faut payer au moins 100 ou 150 euros si on veut les avoir maintenant. Il y a le CD avec. Le CD. Voilà. Tac. Et il y a l'autre vinyle aussi, c'est un double vinyle. C'est l'album donc No Comment, Politics of Pressure. Voilà, double vinyle. Voilà, dernier exemplaire en stock. Ensuite, on passe au suivant. Hop. Là aussi, pareil, édition limitée. Pratiquement, c'était le dernier exemplaire également, en stock. Il va y avoir un CD dedans normalement, voilà. Oups, là même, ça c'est un peu abîmé, avec un CD coloré. Voilà. Hop. Front 242, et c'est Géographie, un de leurs meilleurs albums. Édition limitée avec le CD en prime que j'avais déjà d'ailleurs, j'avais déjà le CD, mais voilà, il le redonne. Peut-être c'est remasterisé parce que c'est un très vieux CD que j'avais, et donc l'album. Voilà. Ensuite, le dernier, et on garde toujours le meilleur pour la fin, la réédition de Sparse qui est aussi difficile à trouver, qui vient de sortir. C'est le double album en édition limitée. Voilà, limité, couleur vinyle. Toujours sur Amazon Royaume-Uni. Et voilà, donc là aussi il doit y avoir un CD dedans, voilà, que je n'ai pas, le CD et l'édition avec le vinyle blanc. Voilà, Sparks, Stamina Agile. Voilà. Et voilà, il doit y avoir aussi des éditions limitées. Voilà. Voilà, terminé.